to protect your soul. Blindness creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
Salut à tous. Je vais attendre que vous me confirmiez que vous m'entendez bien. Voir au niveau du son aussi, s'il faut baisser, s'il faut monter, tout ça, vous me dites. Ouais, je vois que ça répond, donc apparemment on m'entend. Dites-moi s'il faut que je baisse le volume, que je le monte. Enfin, dites-moi ce qu'il faut. Peut-être que je baisse le volume de la ZIC, non, derrière. Surtout qu'elle est pas ouf, j'ai mis une musique libre de droit, parce que la semaine dernière on s'est fait strike, et du coup j'ai pas pu... Ouais, c'est triché, on va passer par Windows, il est là. Voilà, c'est juste histoire d'avoir un petit fond. Ça va? Ok, la musique, ça y est? Ok. Bon, je vais la laisser faible de toute façon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on a lancé le vote là, samedi, pour voir ce que vous vouliez. Il y avait trois propositions, je ne me rappelle plus trop, je vais aller check d'ailleurs. J'avais lancé trois thèmes, bien choisir son exchange, une stratégie de capitalisation ou trader les momentum sans risque. Sans aucun risque pour le coup. J'ai même fait exprès parce que vous allez voir que c'est possible. Bien sûr sur un actif un peu spécifique. Mais ça va vous permettre d'acquérir de l'expérience, parce que c'est ce que demandent les marchés de toute façon, c'est d'acquérir de l'expérience. Et surtout, c'est un stream qui va plutôt s'adresser aux novices. Après, je pense que ça peut être quand même une petite piqûre de rappel pour les plus, même les anciens, on va dire ceux qui ont déjà commencé à trader il y a quelques mois, quelques années. Ça peut être intéressant aussi pour vous, pour une petite stratégie qui en découlera, parce que j'aime bien... Si c'était juste pour vous parler des momentum sans vous expliquer une petite stratégie qui peut être utilisée pour en profiter, je trouvais ça un peu débile. Donc je vais vous présenter une stratégie que d'ailleurs j'utilise depuis très longtemps maintenant et que je vais être amené à encore plus utiliser parce que y en a certains d'entre vous qui le savent, mais on s'apprête à lancer une société de lending avec des amis et le trading algorithmique qu'on va faire dessus. Va se baser sur une partie de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, on va commencer tranquillement. Avant, je vais faire un petit point sur BTC, parce que je pense qu'il y a des questions qui vont fuser dans le chat à un moment, par rapport au BTC. Et donc, je vais prendre quelques minutes avec vous pour donner mon avis et la situation sur le BTC, avant qu'on enchaîne sur ce qui nous concerne aujourd'hui. Au niveau du BTC, pour ceux qui sont sur le Discord du Trône, j'ai donné mon avis ce week-end, enfin même dès vendredi soir. Vendredi soir, il y a eu un premier mouvement qui a eu lieu. Attendez, je reprends les dates pour pas être samedi 7. Ok, voilà, c'était dans la nuit vendredi à samedi. Donc il y avait eu ce premier G ici. Bon. Je venais de sortir de position en fait sur ce mouvement, on va le mettre en achat. Tac tac tac, ça c'est la débandade, c'est le dégueulage, voilà c'est ici. Ça me gêne ces bougies, bon c'est pas grave, vous voyez ici. En fait j'étais rentré à 8500, ok. C'était avant ce nouveau support, je vais essayer de vous reprendre la zone où j'étais rentré. On avait travaillé, voilà, c'est ici, j'avais une sorte de double bottom ici. J'étais rentré dans ces eaux-là, ok. Et j'avais un TP à 9002. Ce qui fait que je suis rentré, là, mon TP a été refoulé. Enfin, voilà, une première fois, on arrive sur une ancienne résistance. Enfin, un ancien support devenu résistance. Je me fais refouler une fois, je me fais refouler deux fois. Mais là, pour ceux qui ont le coup d'œil, vous voyez, ça y ressemble. C'est pas exactement, mais ça ressemble à un petit W. Donc je m'attendais à pouvoir sortir, c'est ce qui s'est passé. Là j'étais en PLS, hein, parce que vous voyez, 9199 et quelques au plus haut là, je me fais pas sortir. Et je me fais péter ici en fait, mon TP touche, donc je suis très heureux parce que le TP touche, regardez ce qui se passe derrière, ça dégueule. Après voilà, pour revenir sur le mouvement, il faut savoir qu'il s'est réalisé, toute la baisse là c'est réalisé entre vendredi et dimanche soir, de mémoire, 15, 16, 17, ouais, ok, c'est à peu près ça. Il faut savoir qu'avant que ici ça déclenche,
avant ce déclenchement, il y avait très très peu de volume sur le marché. Sur le BTC, de mémoire, on était à 16 millions. Je prends l'exemple de ma plateforme où je trade. Enfin, je trade sur deux plateformes, Binance et Bitfinex. Et sur Bitfinex, en moyenne, on est entre 30 et 40 millions, on va dire, sur des jours moyens, le vendredi. Et en semaine, on va tourner entre 30 et 50, voire 60 millions. Et ça peut aller jusqu'à des 100, 200 millions les bons jours. Ouais. Là, on était sur du 16 millions ce vendredi-là. Et là, il y a le mouvement qui se déclenche. Donc, comment je l'interprète, c'est que le move qu'on a eu sur le BTC, faut pas croire que c'est forcément. Enfin, pour moi, mon sentiment, c'est que c'est pas forcément lié à ce qui se passe sur les indices. Okay? Il faut savoir que j'ai fait des calculs, j'ai sorti un peu de maths, et que ce mouvement, sur Bitfinex en tout cas, il a pu se déclencher avec 5 millions, 5 millions de dollars seulement, et un margin x 3. Donc, si ce que je pense est avéré, ou enfin, on ne le saura jamais. Mais je pense que ce mouvement s'est pas déclenché avec beaucoup de monnaie en fait, et que il s'est fait. Les gens ont suivi, paniqué, ce que vous voulez derrière. Mais en tout cas, bon, bah, voilà, le mouvement a été suivi. Mais j'ai pas vu beaucoup, beaucoup de volume intrinsèque, direct et net. Donc je pense que c'est juste. On est le week-end, hein. Le week-end, les institutionnels, bah, ils travaillent pas, ils sont pas devant les marchés. Pour moi, quelqu'un qui est bien capitalisé, voilà, avec un compte à 100, 150 millions, il peut déclencher ce genre de mouvement. Donc, pour l'instant, en tout cas, je me fais pas une opinion définitive sur le fait que ça a été déclenché par un seul money maker ou les institutionnels ont rebranché les ordinateurs pendant le week-end. Honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense plus que, pour moi, il y a 70 et 80% de chances que c'est un mouvement isolé qui s'est déclenché et que ça a été suivi, et que du coup, ben voilà, il y a l'effet de panique. Et derrière, moi je pense que le but recherché, c'était juste de ressortir de cet ancien support devenu résistance, c'était d'aller plus bas. Je pense que là, si c'est ce que je pense, la personne aura appuyé sur le champignon ici, et après tout ce qui s'est déclenché derrière, ça c'est le retail, quoi. C'est ce que j'appelle les dindons, hein. Ceux qui suivent les mouvements, qui les comprennent qu'après. Qui ont fait ce mouvement. Bon, par contre, ça n'empêche pas le fait que du coup, ça nous a renvoyé dans des nouvelles zones de prix et que au niveau de, enfin, sur cette zone, personne n'a décidé en tout cas de. Enfin, après, c'est un peu complexe. Si c'est une personne isolée qui a fait ce mouvement, c'est trop tard en fait. Si les gens veulent le piéger, voudraient lui faire l'envers, vous voyez ce que je veux dire? Ça serait juste pas possible parce que ben, le mec ici il a pris ses TP quoi, hein. Il déclenche le mouvement à 9K2, il a 8K7, allez on va dire grand max à 8K, enfin là vers ici là dans les 8K5, 8K4 et 8K4, allez on va dire sur ce support grand max, il a pris ses profits, il est plus là de toute façon. Donc bon, aucun but à un autre gros, à une autre baleine ou même à l'institutionnel quand ils ont eu accès aux écrans lundi, de se dire on va reverse la position, on va lui foutre à l'envers, c'est trop tard, le mec il est plus là en fait. Donc voilà, en tout cas, le move, que ça soit isolé ou pas, a renvoyé le marché dans ses eaux, dans les eaux actuelles. Là on est descendu jusqu'à 7600, 700, ouais, 7700, sur certaines plateformes ça a même été à 7600, 7650. Là on en est là actuellement, je vous passe en daily pour vous montrer. Pour moi en daily en fait, on va passer même en weekly pour vous montrer un peu ça. Il y a cet oblique. Cet oblique n'est pas tracé comme tout le monde. Je vous le dis parce qu'il y a certains qui vont dire, ah mais elle est bizarre ton oblique ou elle est mal tracée. C'est pas le cas en fait, c'est que sur cet oblique en fait j'ai voulu considérer des choses qui sont importantes pour moi. C'est qu'il y avait hop, on va dézoomer un peu, tac, tac, voilà, il y avait ce falling wedge ici, là, ok, sur le top 13K, il y a ce falling wedge qui s'est dessiné, et en fait, mon oblique à moi, en fait, j'ai considéré, regardez même ici, au niveau de mon falling wedge, les excès, je ne les considère pas, surtout quand il y a beaucoup de volume. Pour moi, c'est un simple excès et on réintègre derrière. Okay? C'est pour ça que je trace pas. Enfin, mais faites-le vous normalement. Ça veut dire, c'est pas grave. Moi, j'estime que c'est grave à titre personnel, mais vous, si vous devez le tracer, tracez-le en prenant soit les bougies, soit les corps, mais tracez-le net. Cherchez pas à, comme moi. Moi, c'est de l'expérience en fait. C'est l'expérience, c'est uniquement l'expérience qui me l'a fait, qui me l'a fait tracer comme ça, parce que
j'ai envie d'identifier et voir ces zones d'excès. Okay. Mais ça veut pas dire, si vous ne comprenez pas comment moi je fonctionne, bah, ça sera compliqué pour vous de vouloir reproduire la même chose. Après, avec l'expérience à terme, peut-être que vous y viendrez. Qu'est-ce qu'il y a à dire ici? Falling Wedge, ok, on repart. Là, il y a eu, des excès. Mais voilà, l'oblique est là. Et en ce moment, entre l'oblique et cet ancien support aussi qui est devenu une résistance, on travaille cette zone. On travaille cette zone et cette zone va être super importante parce que soit, pour moi, d'ici la fin de semaine, soit on réintègre l'oblique, on pète ce niveau, enfin ce petit niveau, c'est pas une grosse c'est pas une grosse résistance, hein, les 8K250, mais c'est soit on réintègre et on pète assez rapidement, ou soit le marché, par contre, il risque de drop pas mal parce que je pense qu'on ira, voir des seuils qui seraient intéressants pour beaucoup de gens. Il y a les 7K3, vous voyez cette zone ici, vous avez des poches de liquidité là au niveau du profil market. Donc ici, il y a de l'argent à récupérer, à aller chercher en tout cas. Et après, plus loin, c'est tout à fait possible. Je mets pas une grosse pièce dessus, mais il y a les 6K6. Si on va au 7K3, je pense que il y aura des gros capitaux qui seront intéressés d'aller taper sur ce, pour le coup, ce support là ici. Il est assez historique, hein, les 6K6. C'est plus une zone pour moi qu'un seuil technique. À 7K7, à 7K3, pardon, je me fais peu d'espoir. Enfin, pour moi, on ira voir cette zone. Il y a beaucoup plus de chances de voir cette zone que d'obtenir un rebond au 7K3 pour aller plus haut derrière. Ça sera compliqué. Voilà pour le BTC. C'était pour éviter les questions parce que je pense que c'était sûr et certain qu'il allait y avoir des questions. Maintenant, on va passer à notre petit rendez-vous d'aujourd'hui. Si vous avez des questions pendant que je vous explique des choses, n'hésitez surtout pas. Je ferai en sorte de lire le chat. La vidéo sera upload sur YouTube et sera en accès aussi sur Twitch pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live directement. Et ça permet de... Il n'y a pas de questions bêtes. S'il y a des questions bêtes, bah, je ne les dirai pas, hein, bien sûr. Comme ça, je n'ai pas à y répondre. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Comme ça, bah, le fait que je vous réponde, il y a des gens qui auraient pu avoir ces questions, mais ne les auraient pas posées sur le Nordif, par exemple. Du coup, ils ont la réponse. C'est intéressant. Pour ce qui nous concerne, on va passer sur... BUSD, USD, ok. Alors ça, c'est un stablecoin, c'est le stablecoin de Binance. Pourquoi le stream d'aujourd'hui va avoir lieu sur un stable? Il nous fait chier, Mila, il n'y a rien à gratter sur les stables. Calmez-vous, il n'y a pas rien à gratter sur les stables. En tout cas, pour le public auquel je vais le plus m'adresser aujourd'hui, c'est-à-dire des néophytes, des gens qui apprennent les marchés, il faut savoir que les stablecoins offrent une opportunité qu'il n'y a sur aucun autre marché. Okay. Les stables, on les trade dans des zones où ils vont avoir des mouvements journaliers. Bon, il y a toujours des pics, vous voyez, des mèches qui se font. Mais en général, le mouvement, je vais vous montrer ça. Tac, ça serait mieux avec... Ouais, intervalle de prix. Allez, on va prendre sur 2-3 jours pour faire une moyenne. Bon, on pourrait même prendre sur une plus grosse période. Et encore là, on est sur des mèches basses où il y a eu de l'excitation. On va se mettre là, à peu près là. Voilà. 0,50, ça me semble correct. Vous voyez l'amplitude d'un stable en moyenne, ça va être entre 0,50 et 0,40. Moi, j'ai une moyenne de 0,40 sur mes algos. Ça va être une moyenne de 0,50 à 0,40% par jour. Et encore, si on parle bien d'un plus bas vers un plus haut ou d'un plus haut vers un plus bas, vous comprendrez bien que quelqu'un qui veut apprendre à trader, il est plus confort sur un truc qui bouge en moyenne entre 0,40 et 0,50% par jour que d'aller sur le BTC, sur l'Ether ou sur des shitcoins qui peuvent bouger eux de aller sur une petite journée, nous faire un moins 4 plus 4%, donc il y a une amplitude de 8%, ou sur même sur BTC, c'est assez fréquent qu'on voit des mouvements de plus 3, moins 3% dans une même journée, donc il y a une amplitude de 6%.
Pourquoi? Vous prenez votre capital. Un, vous pouvez mettre tout votre capital pour apprendre à gérer votre position, voir comment ça se passe, découvrir la plateforme aussi. Il y en a plein qui. J'ai vu là sur Discord du Trône par exemple, là où je suis pas mal actif en ce moment, il y a énormément de questions de débutants qui arrivent. Comment on utilise le margin? Comment on utilise l'effet de levier? Déjà les gars, calmez-vous. Hein. Avant d'utiliser margin, effet de levier, on essaie de comprendre l'environnement où on est. Ok? Si je pense dans une soirée, enfin je vous parle de ça dans le passé parce qu'aujourd'hui ma femme me défonce si elle entend ça, mais si dans une soirée je sens que j'ai un ticket avec une gonzesse, bon je m'assure que le ticket soit assez safe avant d'y aller, lui rouler une grosse pelle et m'afficher devant tout le monde. C'est un peu pareil avec les marchés. Si vous pensez que vous allez arriver et que tout va se faire tranquille et que tout va suivre derrière, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc évidemment qu'on fait en sorte déjà de comprendre son environnement avant d'aller plus loin. Clairement, les stables sont l'endroit où il est le plus facile d'apprendre et d'autres choses en plus. Mais ça, pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience, vous verrez qu'il y a quelque chose à vous apporter aussi en plus au niveau des stables. Enfin, il y a deux choses importantes. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Sur un stable, admettons que quelqu'un voilà, veut apprendre à détecter quand est-ce qu'il peut rentrer en position sur un actif qui est plutôt safe. Hein, on le voit, des mouvements d'amplitude 0,40, 0,50%, ça veut dire qu'avec un effet de levier, et là pour le coup, l'effet de levier, j'ai pas peur de vous dire, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Allez avec un effet de levier x3, on s'arrêtera sur du x3. Un mouvement de 0,50% vous rapporte 1,50%. Votre risque, il est où? Votre risque, c'est que ce que j'ai tracé ici, tac, 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 on va le prendre comme ça, c'est pas grave. C'est que ce que j'ai tracé ici vienne contre vous. Et ça, c'est pareil, je vais vous dire comment faire pour pas que ça soit le cas. Voilà. Sur la plus grosse amplitude possible, c'est que vous preniez une bougie de l'espace. Comme vous voyez, ça arrive. Il faudrait que je monte un peu le graphique. Voilà, comme ça on voit moins ce qui s'est passé dans le passé. C'est moins chiant. Je sais pas combien ça représente de jours ici. On va regarder. Étendue des dates. Tac, on va le prendre à partir d'ici. Là, vous avez 145 jours. Ok? Sur tout ça, vous avez 145 jours. Sur 145 jours, on va dire que vous tradez uniquement cette zone et tout le temps cette zone. Une, deux, trois, on va les considérer même si en fait c'est une mèche, hein, mais là il y a la remontée. Mais je vais tout calculer et compter pour pas que vous disiez, ouais, mais là il modifie, enfin Bolzi, il modifie le truc à sa sauce. Une, deux, trois, quatre, cinq, je compte même les petites mèches, hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sur 145 jours, il y a 24, 25 bougies qui vous mettront en PLS. Enfin, PLS, entre guillemets. Je vais expliquer ensuite pourquoi on n'est pas en PLS. Mais en gros, voilà, sur 145 jours, il y a 25 mèches, bougies, en tout cas je triche pas, hein, c'est ce que vous avez dans les yeux, qui viennent retourner un peu vos setups et vous faire chier. Ok. Enfin, vous faites 25, allez, 24-25 divisé par 145. Vous verrez que la plupart du temps, vous êtes dans la normalité, tranquille. À côté de ça, c'est quoi le risque, le plus gros risque? Ok, je suis en dessous. Là, j'ai dépassé un peu. Là, on doit être à 2% de risque. 2% de risque sur le total du capital, sans, avec un effet de levier, je parle. Hein. Ok? Parce qu'on parle de x3, 0,50 x 3. Là, j'estime qu'on est à 0,60, 0,70. On est à peu près à 2%. Ici, on est en dessous des 1,50% de risque. 1,50% de risque. Ok. Mais à chaque fois, et c'est là où on va parler des momentum ensuite, mais à chaque fois, sur plusieurs jours. Après, on va changer un peu la time frame du BUSD pour vous montrer d'autres choses. Mais quelqu'un qui serait tout bête, tout con tout bête, c'est pas une stratégie que moi je fais. Mais je vous parle d'une stratégie pour quelqu'un qui ne sait pas trader. Ici, on déclenche, enfin en dessous, on déclenche un achat. Donc bien sûr, hein, on n'aura jamais le bas de la mèche, faut pas rêver. Mais admettons qu'on ait déclenché un achat ici dans la zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 allers-retours. Je fais comme vous, moi je sors la calculette. On a dit effet de levier x3.
10 aller-retour, fois 6, 9%. Donc là, si on veut un truc tout bête, on n'a pas encore parlé des momentum, de comment optimiser ça, comment rentrer et sortir du marché, etc. Pour l'instant, on se contente d'avoir tracé un truc sur ce que je l'ai fait. Vous l'avez vu, en fait, en plus, je l'ai fait vraiment à l'arrache. Tracer un truc sur ce qu'on estime la moyenne des plus hauts, des plus bas. On fait les allers-retours. 145 jours, c'est quoi? C'est 5 mois dans l'année. 5 mois dans l'année. Bon. 9% divisé par 5. Je suis sur du 2,25% par mois de moyenne. Fois 12. Non, là, il y a un problème. C'est pas possible. Attendez, on a dit... On avait eu 6 mouvements, hein, c'est ça, 6 mouvements à 1,50, on était sur du 9. 9% pour 6 mois. Non, pour un peu moins de 6 mois. Oh, non, mais c'est pas possible, ça fasse 18. Allez, même si on fait un 9 x 2. Ouais. 4 mois et demi, ouais, c'est ça, je comptais. Ouais, on va dire 5 mois. Après, Pharaon, mon but, c'est pas de vendre du rêve aux gens. C'est de leur donner des chiffres qui sont, tu vois ce que je veux dire, legit, et que les gens s'attendent pas à mieux. Je préfère toujours leur donner le scénario le plus pessimiste pour que les gens aient la bonne surprise après que l'inverse. Voilà, sur là, il n'y a pas de stratégie, les gars. Hein. Je vous montre un truc. Au niveau risque, vous avez quoi comme risque? Vous avez à un moment risqué 1,50% de votre capital, et encore, on parle d'un flottant. On parle d'un flottant, on parle pas de perdu. C'est juste que pendant un temps, vous risquez d'avoir sur votre compte, avec un margin x3, du moins 1,50%. En termes de risque, pour aller chercher... Enfin, si votre risque permanent... C'est ça qu'il faut que j'essaie de vous faire comprendre. Si votre risque permanent, il est de 1,50% sur tout votre capital, pour aller taper du 18% annuel... Vous m'avez compris? Ou pas? Mathieu a fait le calcul. Mathieu s'est fait chef à faire le calcul apparemment. On va le prendre du coup. 1,0. Je te fais confiance, Mathieu. J'espère que tu t'es pas trompé, sinon c'est de ta faute. 2,3. On est en dessous des 18. Ça m'étonne parce qu'en 4 mois et demi, on était à 9. On était à 9%. Je pense que t'as mal calculé. Ah ok. Ah ouais, mais moi j'ai pas de... Ah c'est que... Oui, ok, tu pars du principe qu'on réinjecte le capital à chaque fois. Pas faux. Je l'ai pas pris en considération. Donc je pense que ma base de 18%, et je vais m'arrêter sur cette base de 18%, c'est la base minimale, tu vois, c'est la base scénario pessimiste. Mais... Vous voyez ce que je veux dire? Des fois en trading, il y a des gens qui cherchent... Enfin, il faut comprendre et analyser où est-ce qu'on se situe. Est-ce que je suis un trader professionnel? Est-ce que je suis en train d'apprendre? Est-ce que je suis un néophyte? Ça, il faut savoir s'analyser. Il faut avoir une rétrospective de soi-même et savoir où on se situe. Aujourd'hui, je vous le montre. Et honnêtement, je pense que la majorité des gens ici pourront le reproduire et le refaire très facilement. Et je vais même vous montrer pourquoi c'est valide et pourquoi je le valide à 200%. C'est que je vous montre, hein, actuellement, je suis en train d'ouvrir une société de lending. On travaille avec de l'algo, ok? Donc je vous montre que c'est pas des conneries quoi. Nous on est en train de travailler sur ce marché actuellement. Ouais, on a une stratégie très agressive, enfin, divers profils et tout. Et ce marché on est en train de le travailler parce qu'aujourd'hui quel asset dans le monde vous permet de prendre des bénéfices sur un marché financier en sachant que ce prix est encadré. Prenez ça, enfin rentrez ça dans votre cerveau, même si ça fait un peu péjoratif. Rentrez ça dans votre cerveau. Je suis en train de vous parler de travailler sur un marché où les prix sont encadrés et on peut pas aller plus haut. On peut, mais c'est très difficile parce que bah, c'est baqué sur du dollar. C'est très difficile d'aller plus haut. Peut-être sur sur quelque chose où le prix est encadré. Et, c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est du n'importe quoi. Tant mieux pour les précurseurs, ceux qui vont s'intéresser à comment ça fonctionne, qui vont y aller, qui vont comprendre comment maximiser les profits, parce que là, on parle de 18%, voilà, sur haut, bas, ping-pong, quoi. Hein. Après, je suis pas là pour vous apprendre du ping-pong, on va détailler un peu plus ça et on va analyser ça un peu plus en profondeur. Mais je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui voit qu'il y a du 18% à faire à l'année sur un truc où le plus gros risque dans ton capital,
Tu peux margin, ouais, tu peux le margin x5. Tu peux le margin x5 pour un petit compte. Ok? Tu peux le margin x5 jusqu'à 1 BTC d'exposition. Ça veut dire qu'en dessous de 1 BTC, tu peux le margin x5. Par contre, au-dessus de 1 BTC dans ce que tu empruntes pour le trader, tu es limité à du x3. Et je trouve ça très très normal parce qu'on est quand même en train de trader des marchés qui sont censés être backés par du dollar et du coup valoir le plus souvent possible. Il faut comprendre quelque chose que. Bon, ça c'est un peu du fondamental et vous savez que j'aime pas ça, j'aime pas mélanger le technique avec le fondamental. Mais pour que vous compreniez comment ça se passe en fait, c'est comment est fabriqué un stable, il est backé sur le dollar par exemple. Enfin, la plupart des stables sont backés sur le dollar, sur de l'or, ça arrive, il y en a de plus en plus. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on sort des zones, ça veut dire quand on va aller vers du 1,0030 ou vers du 0,9960, les gens qui ont créé ce stable sont obligés de soit burn, soit mine, ça veut dire créer ou détruire de cette crypto pour rééquilibrer le cours en permanence. Et en fait, c'est un asset qui est manipulé pour se rapprocher tout le temps des 1$, pour vous faire vraiment un tour d'horizon très rapide dessus. Ce qui fait qu'en fait, quelqu'un qui va trader les zones juste en dessous des 1$ et juste au-dessus des 1$, la plupart du temps, il n'a pas besoin d'avoir raison, parce qu'en fait, le marché, enfin, le système est conçu pour lui donner raison. C'est ça qui est important à comprendre, en fait, et pourquoi c'est très intéressant d'être sur ce marché, quoi. C'est similaire au Tether. Oui, mais je ne le ferai pas avec le Tether. Je conseillerais cette stratégie sur. Alors, c'est applicable sur Tether, tu peux le faire aussi. Mais je ne la conseillerais pas sur Tether, ce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que Bitfinex, qui est la plateforme. Le board de Bitfinex, c'est le même board que Tether. Si vous voulez, c'est la même équipe qui a créé et l'exchange Bitfinex et le stable Tether. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, il y a eu un hack assez monstrueux. On parle de plus de 800 millions de dollars qui ont été hackés à Bitfinex à une période. Et ce qui s'est passé, c'est que pour faire en sorte de ne pas flouer les gens qui avaient investi de l'argent sur cette plateforme, sur cet exchange, ce qu'on a fait, c'est qu'on a emprunté et on a mined, on a créé du Tether pour le faire rentrer sur le marché et faire en sorte d'annuler ce hack, grosso merdo. Je vous grossis le truc au plus simple pour que vous compreniez. Et du coup, on sait que le Tether. Bon, même si c'est le stable le plus utilisé au monde, il y a certains jours où il est même plus tradé que le BTC pour vous donner un exemple. L'équipe derrière, voilà, l'équipe derrière, elle s'est permis de faire des choses qui, aujourd'hui, moi-même, je trade sur Bitfinex et ça ne me fait pas peur parce que ils ont réglé un problème avec un outil qu'ils avaient entre les mains et surtout, ils remboursent. Ça veut dire que même si cette société est liée, ils ont bien fait. Ils ont bien dispatché les deux boîtes, ce qui fait qu'aujourd'hui Bitfinex, avec ses profits, rembourse Tether, alors que c'est la même boîte, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, du coup, c'est compliqué. Enfin, je ne conseillerais pas d'utiliser cette stratégie sur Tether, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour ils minent plus ou qu'ils burnent du Tether pour rembourser les crédits, etc. Et on a déjà vu le Tether tomber bien bas et aller très très haut. Donc, je ne le conseillerais pas sur le Tether. Tandis que le BUSD de Binance, il est créé par une société qui s'appelle Pax. La société qui s'appelle Pax, il faut savoir que c'est une société liée à la crypto. Elle a créé le Pax Gold, par exemple. Elle a créé des actifs backés en gold. Okay, le Pax Gold, donc c'est backé en gold. Mais surtout, cette société, je me rappelle plus du nom de la boîte exactement. Pax Gold, Pax. C'est un nom commercial, mais il y a une entité derrière juridique, je ne me rappelle plus du nom, mais tout ce que je peux vous dire et ce que je sais, c'est que cette boîte a obtenu une licence new-yorkaise. La licence new-yorkaise, c'est actuellement la licence crypto la plus difficile au monde à obtenir. Il n'y a pas n'importe qui l'obtient. Tous les échanges y ont déjà essayé et la plupart se sont cassés la gueule dessus. Là, de mémoire comme ça, je dirais qu'il y a à peu près une vingtaine. Je pense que c'est un peu moins, mais il y a à peu près 20 licences qui ont été distribuées dans le monde sur plus de 700-800 demandes. Donc, vous voyez le taux de réussite. Et cette société, donc Pax, qui est derrière le BUSD,
Du coup, ça fait deux boîtes d'ailleurs, le BUSD. Vous avez Pax, ouais, je veux dire, non commercial, je m'en rappelle plus de l'entité, je suis désolé, et j'ai pas le temps de chercher maintenant. Mais vous avez deux entités qui sont derrière le BUSD et pas des entités de merde. Vous avez d'un côté Pax, non commercial, et Binance. On n'est pas en train de parler de CREX24 ou de STEX ou je sais plus, là, tous les échanges que vous avez en Russie, etc. Enfin, qui sont basés à Malte, Chypre, Russie, qui sont un peu perdus dans le monde. On parle de deux sociétés qui ont, voilà, qui pèsent un peu, quoi, au niveau de la crypto. USD, c'est backé par Coinbase. Bah, le problème de USDC, c'est que justement, c'est sur Coinbase, que Coinbase, c'est très lié aux USA, qu'un jour, je n'investirai jamais 1 € dans le USDC ou du Trou USD, qui sont des stables très très proches de la Fed américaine. On parle même, je vous dis, hein, des bruits de couloir qu'il y a sur, on va dire, dans les petits groupes Bloomberg privés, on parle même de faire devenir l'USDC, peut-être un jour, la digital currency de la Fed. À partir de là, ça sera vraiment backé sur du dollar pur et du dollar monétaire, et ça me dérange en fait. Ça me dérange. Paxos, merci Silirek. Après, je sais pas si c'est vraiment le nom juridique, mais bon, en tout cas, on sait que voilà, Pax, hein, on va dire Pax, c'est l'entreprise qui gère tout ça. Je regarde un peu s'il y a des questions. Mon peu le margin, ok, ça on l'a vu, c'est similaire, hein, il y a toujours le TrueUSD. Ça fait un bail que j'ai pas loupé les cryptos. TrueUSD existe toujours, mais comme je dis, voilà, c'est un peu lié aux États-Unis, c'est un peu, il n'y a pas de frais non plus en margin sur BUSD. Non, Matthews. Mais ça, tu vois, là, t'es en train de spoil ce que j'avais préparé, ma petite trame, là. C'est aussi l'avantage du BUSD. C'est que le BUSD, il faut savoir qu'en fait, il essaye de concurrencer Tether en termes de volume, et que Binance ont une offre très très agressive, et qu'aujourd'hui, trader ça, c'est gratuit. Ok? C'est gratuit. Ça veut dire que vous n'avez pas de frais. À chaque fois que vous faites des trades sur le BUSD Tether, vous avez zéro frais. Donc, bah en fait, vous prenez vos bénéfices et en plus, on vous ponctionne à rien. Et ça, jusqu'au moins au mois de juin. Et puis même après, je pense qu'ils vont. Cette offre devait se terminer déjà là, devait se terminer au mois de décembre, au mois de janvier de cette année. Ça a été repoussé au mois de mars. Ça devait se terminer au mois de mars, ça a été repoussé. Et je pense qu'ils vont continuellement la repousser, 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 jusqu'à ce que ils arrivent sur les volumes du Tether, parce que c'est le but de Binance aujourd'hui. Je vous explique comment fonctionne le Tether. Très rapidement, je vous fais le raccourci le plus rapide possible. Le Tether, comment l'équipe de management de Tether gagne de l'argent dessus? C'est sur les volumes de trading qui sont faits dans le Tether. J'avais fait les maths il y a quelques jours, mais pour vous donner un exemple avec le Tether, au vu des volumes qu'ils font, ils gagnent à peu près 800 000 dollars par mois sans rien faire. Ils ont créé un produit, ok, sur les frais de transaction où il est utilisé sur chaque échange, il y a une petite partie, une infime partie, qui revient à Tether. Mais cette infime partie, sur des milliards et des milliards échangés chaque mois, bah ça représente 800 000 dollars. Imaginez bien que Binance, leur but, c'est déjà parce que d'un point de vue commercial, alors je dirais pas d'un point de vue commercial au niveau des institutionnels, mais au niveau de la majorité du grand public, ils sont plus visibles. Il y a beaucoup plus de gens, je pense, qui sont sur Binance que sur Bitfinex. Sur Bitfinex, le cadre de Bitfinex, de l'échange, s'adresse plus à des traders pros. On est très peu, honnêtement, à bien aimer Bitfinex, sauf ceux qui ont connu Bitfinex il y a déjà longtemps. Mais là, dans les gens qui arrivent sur le marché, depuis 2017-2018, ils ne se tournent pas vers Bitfinex, ils vont plutôt vers Binance et les autres échanges. Mais vous comprenez bien le but de Binance. Il y a quand même 800 000, grosso merdo, hein, 800 000 dollars à récupérer tous les mois comme ça gratos, bah on va aller chercher. On va aller chercher le produit qui coûte pas cher à créer. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de faire en sorte qu'il soit adopté par nos utilisateurs au niveau de Binance. Et plus tard, parce qu'il commence à arriver sur d'autres échanges, par d'autres échanges, parce qu'ils n'ont pas le choix que de l'accepter. Et voilà, c'est tout bénef pour nous. Bon, maintenant, on va essayer de. Je vous ai présenté un peu comment se présente le produit. Honnêtement, je pourrais faire un stream de 6 heures juste pour vous expliquer exactement comment. Je pense, honnêtement, hein, sans me vanter, que je suis le plus gros expert français au niveau des stables, de leur fonctionnement, de comment ça fonctionne, la technicité des produits, comment ils sont backés, etc. Maintenant, ce n'est pas le but de vous jeter toutes mes connaissances à la figure et que dans 2 heures, vous vous dites, ouais, en fait,
C'est bien, hein, mais j'ai rien compris. Enfin, j'ai rien compris. Non, pas que j'ai rien compris. Mais enfin, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir l'historique des stabs. Vous avez juste besoin d'avoir quelques infos importantes et pertinentes, comme comment ça fonctionne, quel est le cadre, etc. Et ça suffit, honnêtement. Moi, j'ai fait des recherches plus poussées parce que bah, y a l'histoire de société derrière, de milliers et millions d'euros. Donc, bien sûr que je fais des recherches beaucoup plus poussées. Au niveau du momentum, j'ai laissé le. Pour l'instant, on va enlever celui-là. On va enlever le. Faut que je le baisse, en fait. On va enlever les divergences. On va augmenter un peu le RSI. Parce que vu la gueule du graphique. Alors, ça vous voyez, c'est quand. Faut pas s'inquiéter, hein, c'est quand ça a été créé et mis sur la plateforme. Voilà. Vu la gueule d'un graphique d'un stable, vous voyez, en plus, on peut se permettre d'étirer un peu le graphique. Là aussi, il y a une strat qui est intéressante à voir. C'est que du coup, on peut passer en. 4 heures? On peut passer en 4 heures? Ouais, on peut passer en 4 heures. Bah regardez, un RSI en fait. Bah, attendez, par contre, j'aime pas du tout. Si c'est la disposition que je voulais, 60, 40, 50 au middle. Et les gros excès où on va pratiquement jamais. Enfin, c'est très très rare. Mais vous voyez, voilà, il était une fois ici. Et il était à 1,0040. C'est très rare d'y aller. Là, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est quand on dit de trader gratuit. En fait, cette stratégie, enfin, ce que je vais vous expliquer ici, ne l'appliquez pas sur les marchés crypto comme ça, nature. Hein. Il va vous falloir d'autres éléments. Mais au niveau comment déclencher un momentum, on va voir que, en fait, pour cet actif, qui est le stable, on peut gérer ça juste avec un simple RSI. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je prends un exemple. On va essayer de trouver toutes les fois où on est quand là? 27 février. Ouais, on est. Ça fait une quinzaine de jours, c'est ça? On est le. Je sais même pas la date. 24 février, ok. Wow. Ça fait à peu près une quinzaine de jours. On va essayer de voir combien de fois il nous aurait rect en fait si on partait sur juste un déclenchement automatiquement sur des excès au niveau du RSI. Ok? Donc le but, ça serait de prendre les excès. Donc par exemple, parce que attends, tout à l'heure je vous expliquais en daily, voilà, on avait ce 0, enfin il y a ce range de 0,50% qu'on a estimé être la moyenne, mais rien vous empêche après de le trade en H4, en H1, etc. et de diminuer le range, de l'augmenter selon ce que vous voulez faire. Là, pour l'instant, je vais me contenter de me dire que à chaque fois que je prends un trade, je vais chercher parce que mon risque maximum est 1,50%, parce que je suis sur un marché encadré. En fait, mon but, c'est de réussir à faire. On va se mettre sur du 1 heure. Dans une journée, une dizaine de trades. Une dizaine de trades où je vais chercher du 0,05%, ce qui me fait du 0,5% par jour. Là, je vous parle, voilà. On n'est pas sur la même stratégie que tout à l'heure où on prend le top, on prend le bot et. Le bottom, on s'en fout un peu de ce qui se passe. Là, je vous parle de générer plus de revenus quand vous êtes en dehors de cette zone d'excès que vous pouvez avoir en daily, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour continuer en plus à faire des profits. Vous avez votre, entre guillemets, vous avez votre. On a plus de 18%, mais je vais rester sur le 18%. On est sur du 18% annuel, juste comme ça. Ok, cool. Maintenant, quand on est en plein milieu, est-ce que je fais rien ou est-ce que je continue de faire quelque chose? Oh, vous chopez les momentum et puis bah, vous faites en sorte de faire plus de thunes, puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas à se prendre la tête. Allez, on va dire qu'on va aller chercher du 0,05 sur des excès et on va voir ce que ça donne ensemble. Et le but, j'en fais 10 dans la journée, ça me fait du 0,5% par jour pour 1,50% de risque, on va dire en généralité. Bah, il y a 30 jours dans un mois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être relativement fou. Après, honnêtement, je vais regarder avec vous parce que ça, ce test, moi, je sais comment ce que ça peut produire de façon algorithmique. Maintenant, je n'ai jamais cherché à le faire, comme je vais vous le montrer là, à la main. Donc, je pense pas qu'on va être sur ces chiffres-là. Ça m'étonnerait qu'on ait une dizaine d'opportunités dans une journée. Ça me semble honnêtement beaucoup, beaucoup trop. Pour moi, c'est même pas possible. Mais on va. J'avais dit le 27, hein. On va revenir au 27. On va choper les excès et voir ce que ça donne. On a un premier excès ici.
là, sur cette bougie, la close 1,002. Ok, donc du coup, notre but, ça serait d'aller chercher les 1,007. Une bougie, 0,4, 0,5, ok. En gros, en 3 heures, on prend un trade ici, en 3 heures, boum, on a TP ici, parce que la close, vous le voyez ici, hein, le close. Pour ceux qui se demandent où est-ce que j'ai l'info, je l'ai ici, 1,007. Normalement, j'ai été sorti du marché. Ok, bon, on va attendre le prochain excès. Le prochain excès, il se forme sur cette bougie ici. La close de la bougie, vous voyez avec moi, elle est à 0. Oh, je suis bien dessus là. Je vais la grossir un peu parce que ça me perturbe. C'est celle-là. Hein. Ouais. 0,99, 97. Ok. Donc ma sortie s'est fait à 1,002. Tac, 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 tac. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6 heures en position. J'ai pris mon fric. Ok. Prochain excès ici. Excès à la hausse. La close à 1,0011, donc je cherche mon profit à 1,006. En plus, tout à l'heure, je me rends compte que je prends les closes et je regarde même pas si le marché y a été. Se trouve, le marché y a été avant et on sort plus tôt. Mais bon, bref. 1,0011, le low 1,009, on n'est pas sorti. Là, on est sorti sur cette bougie. Ouais, il nous faut 1,06 à 1,05, on sort. Ok, bon, bah, prochain excès. Là, on n'y va pas. Là, on y va. Enfin, alors. Ça représente combien de volume daily? Comment ça représente combien de volume? Le BUSD en général? En général il fait bah attendez, je vais vous montrer en live. Ça va être aussi simple. Ouais, j'ai pas d'infos importantes ici, non, vous allez juste voir que j'ai une position en cours de 3000 balles. C'est pas ce qui va changer ma vie. Daily, tu vois, là en ce moment il fait 40 millions, mais en général c'est un truc qui au niveau des volumes daily. C'est un truc ouais, qui va naviguer entre 20 et 50 millions daily, le BUSD. Donc, tu as de quoi faire. Honnêtement, il y a de quoi faire. Je te prends mon order history. Pourquoi j'ai pas tout? What the fuck? Ah oui, je suis sur mon compte. Je suis sur un compte perso en fait. Enfin, je suis sur un compte perso où j'achète. Tu vois, j'achète des lowers que je revends plus haut, etc. Et je fais pratiquement que ça. Enfin, je fais pratiquement que ça. Déjà, je l'ai automatisé parce que j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Mais tu vois, au niveau du volume, bah, j'ai fait 14 000 balles le 8, 5 000, 3 000, 3 000. Et là, ça fait partie aussi d'un truc que je vais vous expliquer après. En quoi c'est intéressant pour vous. C'est parce qu'au niveau des échanges, bah, vous payez des fees. Et en utilisant cette stratégie, vu que vous pouvez être pratiquement all-in, vu qu'il n'y a pas de risque, quoi, hein, peu, très très peu. Bah, vous allez vite augmenter vos volumes et du coup payer de moins en moins de fees au niveau. Mais on reviendra dessus un peu après. Je peux vous montrer ça. Non, ça je vous l'ai déjà montré. C'est ça, tu vois, là c'est juste aujourd'hui. Tu vois, toutes mes stratégies elles sont dans un algo, donc semi-agressif, très agressif, etc. Ça c'est juste aujourd'hui, je l'ai ouvert. Je l'ai lancé, je sais pas, à 5h, 6h du mat, je pense. 5h30 ce matin. Combien il m'a fait de trade? 225. Donc tu vois, t'as des petits montants, 50, 100, 100. Il faut savoir que c'est des portefeuilles que j'ai montés en sub-account sur Binance, $2000, pour ventiler une stratégie. Parce qu'en ce moment, comme on est en train d'ouvrir une société de lending, la stratégie que je suis en train de vous expliquer, en fait, on est en train de la mettre en place pour des holders qui ne savent pas forcément trader, mais qui voudraient nous confier des BTC ou des ETH que nous on fait backer par ce qu'on appelle un custodian. Le custodian nous sort une ligne de crédit pendant que les fonds de nos clients sont détenus chez eux. Nous, avec la ligne de crédit, on trade. Et en fait, je te donne un exemple. Un client dépose 10 BTC chez nous. Bah, à la fin de l'année, on prend 10%, ou entre 10 et 20% selon les profits qu'on a fait en trading. 10%, c'est sûr, c'est garanti, c'est dans le contrat. Mais on donne aussi des bonus de performance. Et ce qui fait que le mec voilà, qui pose 10 BTC à la fin de l'année, bah, il a 11 ou 12 BTC selon ce que s'est passé le marché. Et cette stratégie, on est en train de la mettre en place et de la valider. Donc, bah, comme il faut une multitude de comptes pour régler la stratégie et arriver sur le truc où ça crée le plus de profit sur du court terme. Parce que vous comprenez bien que sur une stratégie comme ça, on est obligé, sur un algorithme de trading, il nous faut au moins 2-3 stratégies, 2-3, pas stratégies, mais 2-3 profils différents de stratégie, ça veut dire de critères, pour faire en sorte que dans toutes conditions de marché, on crée du profit en fait. Bah ça, c'est des trades juste aujourd'hui, tu vois. Il y en a 225.
T'imagines que ça fait du volume quoi sur un exchange pour te donner une idée. Attends, je regarde si je peux vous le montrer parce que je crois qu'il y a l'IP qui apparaît normalement. Si je fais ça, est-ce qu'il y a mon IP qui apparaît? Ah, c'est casse-couille. Comment je peux vous montrer juste ça? Bah, peut-être en faisant comme ça. Ok. Tu vois, ça c'est un compte. Vous l'avez vu les volumes là que je viens de vous montrer dans la Go. Donc ça c'est un compte où j'ai mis. C'est mon compte perso où j'ai mis 10 000 dollars dessus, qu'on a réparti dans 10 sous-comptes, hein, pour utiliser des profils de marché différents, de stratégies différentes. Et juste avec 10 000 balles, regarde le volume, quoi, hein, en 30 jours. 168 VTC de volume. Ah, il est plus à 8 000, il est à 7 800, j'aime pas tricher. Ça fait 1 300 000. Avec 10 000 balles, on fait 1 300 000 de volume en 30 jours. Alors je dis pas qu'un particulier qui va utiliser cette technique, cette stratégie pour, déjà le plus important honnêtement, c'est pas que la baisse de fees, parce que la baisse de fees, si vous faites que ça honnêtement vous en foutez, les fees vous en payez pas en un premier temps. Moi ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était la lecture sur un simple RSI. Ah ouais, j'utilise pas des trucs ingénieux, compliqués et tout, c'est que sur un simple RSI, sur un marché encadré, on peut se créer une ligne de profit sans se faire chier avec les cryptos en général. Je vous dis pas de pas vous faire chier avec les cryptos, mais utilisez plutôt des systèmes plus dynamiques. Vous avez votre ligne de profit qui est assez safe et encadrée. Et derrière, avec vos profits, par exemple, vous investissez dans les cryptos, où là, vous allez chercher un peu d'exotisme et le fait que vous pensez, en tout cas sur du moyen long terme, vous avez une vision plutôt bull au niveau du market et vous vous dites que voilà, c'est plus intéressant de les mettre dans les cryptos que de prendre mes profits et les foutre sur un livret A. Il n'y a aucun intérêt à foutre sur un livret A, vous continuez de les trader et vous sortez du 15 entre 15 et 20% annuel et votre livret A, il va vous en rapporter 0,50. Bon, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Il n'y a pas à chipoter quoi, on va pas tergiverser dessus. Ça on peut l'enlever, ça on peut l'enlever et on peut revenir ici. Mais bon, on pourrait tous les calculer. Hein. Après, ce qu'il faut voir, c'est il faudrait faire un calcul, mais ça, je vous laisse le faire de votre côté. Hein. Vous voyez la même chose que moi, je triche pas, hein, c'est TradingView, vous allez sur TradingView, vous tapez BUSD, USDT, vous le mettez en une heure, vous encadrez un peu le marché comme je l'ai fait, je l'ai vraiment fait grosso merdo. Hein. En plus, vous pouvez améliorer ça pour encore mieux encadrer. Quand je dis encadrer, ça veut dire tracer une sorte de rectangle sur des. Estimer sur une semaine, sur 15 jours, avoir votre moyenne haute, votre moyenne basse, tracer ça et aller chercher les excès dans cette moyenne-là. Parce que bah regardez, on sort très peu. Et quand on sort, en plus, vous allez voir que c'est pas un problème. Je pense qu'on en était là, à peu près là. Excès, la clause 0,96, 98, on n'y est pas. Il nous faut du 1,01 à 3 heures. Excès par le haut. Ouais, je triche pas, hein. Il est minime, mais je le considère. La clause, elle est à 1,011. Donc, il nous faut du 1,06. Là, on y a déjà été, parce que le lower, vous voyez, le B ici, là. Le lower ici, il est à 1,05. TP, 3 heures. Et surtout, c'est pas compliqué à comprendre. Pareil, la clause 88. Donc, il nous faut du 93. Le high, 90, on n'y a pas été. 90 on n'y a pas été, 91 on n'y a pas été, 93 4 heures. Là par contre quand on voilà, vous voyez là, ici vous êtes rentré en position, ça c'est gratuit, hein, c'est Bolji qui vous le donne. Là vous êtes rentré en position, vous sortez ici, vous avez un signal tout de suite derrière sur un excès, ne le prenez pas. Quand il est trop tôt comme ça sur une bougie ou deux là, ne le prenez pas. Vous risquez, enfin je vous dis pas ça pour tricher parce que je vois qu'ici ça va mettre du temps, mais honnêtement, ne prenez pas des signaux qui sont trop vite successifs. Laisser respirer le marché, grosso merdo. Vous voyez ce que je veux dire? Laisser respirer. Par contre, ici, je vais le prendre. Là, on re-rentre, on se rapproche du 50, mon middle, ok, vous voyez. En fait, le but, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un excès, de laisser le marché revenir sur le middle du RSI, le 50. Je vous dis pas de le laisser revenir complètement, mais le laisser s'en rapprocher parce que derrière, ça sera un vrai excès. Ici, pour moi, même si. Vous voyez, il y a peu de bougies, mais on a tenté d'y revenir, mais en peu de bougies comme ça. Il peut y avoir une continuation. Pour vous expliquer comment ça se passe au niveau des stables, ce qui se passe souvent, c'est que soit l'exchange lui-même réinjecte du pognon pour
ramener le prix vers les 1$. Et si vous rentrez en trading sur ce que vous avez considéré comme un excès, l'échange met du pognon et vous permet de prendre vos profits. C'est un exemple que je vous donne. Il vous permet de prendre vos profits, sortir du marché. Si derrière, il y a un market maker qui est en train de dire à l'échange, écoute, t'es gentil, t'es en train de rééquilibrer le prix à 1$, mais non, je suis pas d'accord, et qui rebaisse le marché et que vous rentrez à ce moment-là, vous allez pouvoir risquer de rester dans une position qui va durer. Donc, évitez les doubles signaux trop rapprochés. Là, le top est ici. Là, par exemple, voilà un bon exemple de on va mettre du temps à sortir. La clause se fait à 1,03. On cherche à vendre du coup. Et on vend à 0,98. On a failli sortir sur la bougie d'après, mais ça ne sera pas le cas. Toujours pas, toujours pas. Et là, vous voyez, toujours pas. Là, ça va mettre du temps. Et ça arrive. Hein, je suis pas là pour vous vendre uniquement du rêve. De temps en temps, vous faites piéger, mais bon, là, ici, on sort. Je sais plus combien de bougies ici, il y en a quand même pas une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, là vous avez perdu une demi-journée. Ça arrivera, ça je vous le cache pas, de temps en temps, vous ferez. C'est un marché où vous regardez, il y a eu peu de. Enfin, il y a eu peu de volatilité en fait. Je pense qu'on tombe dans un week-end là. Ouais, on est un dimanche. Le 10 mars. Non, le 1er mars. Samedi. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Le dimanche. Ouais. Ça aussi, évitez de vous prendre la tête à trader ça le week-end. Honnêtement, le week-end, bah, prenez un peu de vos thunes que vous avez gagnées avec ça et faites-vous plaisir avec votre famille, quoi. Mais évitez le week-end, parce que le week-end, les marchés sont piégeux, je parle en termes généraux. Et encore une fois, je ne vous dis pas ça parce qu'ici, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Le trading, je vous le dis et je vous le répète, il n'y a pas 100% de réussite, c'est impossible. Il y a toujours des moments où vous allez être mis un peu en PLS, où ça va aller contre vous, etc. Ou alors vous prendrez pas de. Enfin, sur ce marché-là, vous ne serez pas mis en PLS, mais vous ne prendrez pas de profit. Ça, je ne vous le cache pas, ça arrivera, c'est clair et net. Mais bon, c'est du moment où vous restez dans des. Là, enfin, vous restez mesuré dans votre trade, c'est pas. Comme je vous dis, voilà, le risque, vous l'avez, c'est 1,50. Par contre, je vais pas me faire chier à considérer week-end pas week-end, on va continuer. On est le combien, nous, là, aujourd'hui? On est le 10 mars, ok, il nous reste pas longtemps à regarder. Donc là, c'est là où on s'est fait piéger, on sort ici. Prochain excès, il est là. Ah, là aussi, on se fait piéger. Ah oui, mais on. Ah non, on est le lundi, là, le 2 mars. Ouais, ok, là, on est le lundi. Bah, ça devait être un marché très peu volatile. Et là, on s'est piégé pas mal de temps en plus. Si on sort ici, la clause 0,98. Donc il nous faut du 1,03. Ce sera pas avant au moins ici. 1,02. Et on n'est pas sorti. My God. Et là, ça va durer. Voilà. Quand vous faites piéger. Alors, entre ici et ici. Parce que là, on ne sort pas. On est à 1,02. Voilà pourquoi je te disais, Mathieu, tout à l'heure que c'est pas. Enfin, sur ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est du 10% à l'année, parce qu'on parle, tu comprenais les hauts, les sur le grand range, mais quand tu cherches à trader à l'intérieur de cette période, tu peux te faire act pendant quelques temps. Mais là aussi, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si chiant que ça en fait. 1,003 en indien. Donc là, la clause, elle est à 0,2. Là, on a failli revenir, mais on n'y est pas revenu. Bon, ça va être ici, quoi. Donc, entre le 3 mars, 20 et. Non, le trade, il est pris avant. Le trade, il est pris. Merde, je me rappelle plus, les gars. Ici, hein. Il est pris le 2 mars à 17h. Et on sort que le. Ah putain, on sort pas ici non plus. What the fuck? Le high 1002. Le high. Mais non, là, on sort. Putain, je suis con. Puis tout à l'heure, je me fais chier pour rien. La clause 98, donc on sort à 1,03. En fait, on est sorti ici. J'ai pas fait gaffe, mais le high ici, il est faut que vous regardiez ici le high, ok? Il est sorti à. On est sorti en fait. 1,0004. Il fallait sortir à 1,003. On est finalement sorti. Mais bon, c'est pas grave. On va considérer que ce trade n'était pas. Pour que vous montrez aussi qu'est-ce qui se passe quand ça va pas. Bah, admettons qu'on était rentré ici et que ça ne nous sortait pas là. Que ça nous sortait bien plus loin. Bon, on serait quand même sorti ici, mais voilà. Le truc qui peut être chiant, c'est de se retrouver dans une position comme ça, 7 jours.
Et à 7 jours, vous avez 100% de vos capitaux engagés, vous ne pouvez rien faire à part attendre de sortir. Bon, ce que je veux dire, c'est un peu casse-bonbon. C'est pour ça que il faut. Moi, je pense que vous devriez plutôt, si ça vous intéresse et que vous voulez partir sur cette strat, hein, où on prend des plus hauts et des plus bas, il faut que vous la combiniez avec autre chose. Il faut que vous ayez, je pense, hein, au moins un tiers de vos capitaux qui vont chercher les 18% annuels, qui s'occupent que de ça en fait. Au bas. Ça, vous pouvez pratiquement l'automatiser. Vous avez juste à régler vos ordres, voir quand il y a un déclenchement, mettre une alerte et le suivre. Et du coup, avec deux tiers, trader en intérieur. Ce qui fait que de temps en temps, bah, c'est un qui va vous payer, de temps en temps c'est l'autre, mais vous restez toujours en position en train de faire des profits en fait. Parce que sinon, vous risquez de vous endormir un peu. Ouais, là, si c'était le cas, on serait resté. Après, c'est à vous de voir vos setups. Hein. Moi, je fais que des suppositions. Hein. Je vous dis une heure. Pour moi, une heure, 0,05 de potentiel. Il y a de quoi faire, ça suffit largement. D'ailleurs, du coup. Merde, par contre, j'ai plus. Quand est-ce qu'on était rentré? C'était vers le 1er de mars. Là. Voilà, c'était ici. Donc, du coup, ça nous a sorti ici. Continuez. On continue encore 2 ou 3 et après, bah après, hein, vous regarderez à le faire vous-même. Hein. C'est pas. Vous avez compris, c'était pas très compliqué. La clause 0,89. Tac, tac, tac. Donc, il nous faut du 94. On sort ici. Même ici. Non, le high, il se fait ici. 0,94. Quelques heures. En généralité, quand même, en moyenne, c'est quand même juste quelques heures pour sortir de position. C'est quoi là? Alors, attendez, je reprends les questions. T'as fait quoi comme étude? Guilty, pas forcément d'études liées au trading en soit en France. J'ai un parcours un peu autodidacte. Après, attention, c'est un très mauvais exemple. Ne croyez pas que c'est comme ça qu'on devient trader. Clairement pas. Mais on va dire que. Entre mes 14 et 18 ans, je jouais à des jeux vidéo de façon pro, semi-pro. À mon époque, semi-pro. Aujourd'hui, on est sur des circuits pro, mais à mon époque, c'était plus semi-pro. On va dire que je rentrais mais entre 600 balles et 1000 balles par mois. Et du coup, j'avais un deal avec mes parents, c'est je fais mes cours par correspondance et vous me laissez faire ce que j'ai envie. Par contre, voilà, mes cours par correspondance, je vais vous chercher le bac, le BTS et tout. Du coup, j'ai fait un cursus très très normal. J'ai fait un bac pro parce que j'avais pas, parce que le lycée me gonflait en fait. J'ai fait un bac pro force de vente, ou AVM, pour aller chercher un BTS commerce international. Et plus tard, j'ai fait un master en finance et je suis reparti sur diplôme universitaire. Mais beaucoup plus tard, quand j'ai eu une boîte d'investissement. Sinon, rien à voir. Je vais te poser une question plus basique, mais tu conseilles des études plus orientées calcul, STO ou plus ML pour ensuite trader. Lévin, bah, tu viens de comprendre mon parcours. Et honnêtement, mon parcours a été comme ça parce que j'ai très vite compris que. Faire un cursus normal pour devenir trader en France, ton CV, enfin ton expérience, ton CV, tes diplômes n'est pas valu à l'étranger, malheureusement. Et je l'ai vite compris en fait. Grosso merdo, un mec qui fait une formation, enfin qui fait des études, formation, etc. pour devenir trader en France, il finit malheureusement à travailler à la défense, tu vois, pour la SOG ou BNP. Et honnêtement, 8h, 18h, métro, boulot, dodo. Pour moi, c'était pas possible en fait. C'était pas possible. Et je te conseille, si vraiment c'est un truc que tu veux faire plus tard, de devenir vraiment trader, de partir à l'étranger, partir en Angleterre, qui est pas très loin, mais de pas le faire en France. C'est quoi l'indicateur? Ouais, c'est RSI du coup. Du coup, nos fils, même en taker. Si taker, t'as des fils, Ayman. Il faut sortir market limit, ok? On sort pas taker, sinon on a des fils quand même. Même si c'est gratuit, si taker, il y a les fils qui s'appliquent. Il faut absolument sortir limite. Je suis nouveau ici, tu streams souvent. On va dire que je vais stream entre 2 et 3 fois par semaine, mais je donne les infos sur mon Twitter de quand je stream. Enfin, en tout cas, cette année, j'ai voulu faire comme ça, parce que, en plus, les sujets, c'est vous qui allez les choisir. Ça veut dire que là, tout à l'heure, quand je coupe mon stream, demain, après-demain, je balance un tweet, une sorte de sondage avec 2-3 thèmes, et vous votez, vous choisissez le thème. Et voilà, deux jours après, un jour ou deux après, on rebalance un stream et ça sera sur le thème que vous avez choisi. Tu traites sur un site ou logiciel? Je traite pas du tout sur des sites. Enfin, j'utilise Bitfinex où je vais trader dessus. Mais par exemple, moi, mes stratégies sont mises dans des algorithmes. Je travaille avec deux ingénieurs pour la boîte qu'on est en train de monter, mais aussi à titre perso. J'ai deux ingénieurs qui sont derrière moi pour me backer. En fait, les stratégies sortent de ma tête.
pour vous grossir le truc, les stratégies sortent de ma tête et les ingénieurs les mettent, vous voyez ce que je veux dire, les mettent sur des solutions de trading algorithmique et automatique. Il n'y a plus besoin d'avoir de... En plus, enfin surtout sur ce marché-là, sur le marché des stables, il n'y a pas besoin d'avoir un contrôle humain derrière. Ouais, mon contrôle, c'est que tout à l'heure, on avait 225 trades. Mon contrôle, c'est que je vais appuyer sur refresh. Ah, bah, on est passé à 230 trades. Ok, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, là, ça en fait beaucoup à passer parce qu'il y a 10 comptes en, il y a 10 comptes en même temps. Mais en gros, c'est... voilà, une fois que la stratégie est sortie de ta tête, c'est-à-dire que tu l'as étudié avant, tu as étudié le marché, hein, bien sûr, ça ne sort pas comme ça de ta tête. Mais ça te permet d'avoir ce genre d'avantage, c'est que derrière, quand tu travailles avec des ingénieurs à qui tu partages tes profits, je vous rassure, c'est pas ces profits-là que je partage avec eux. Hein, parce que les 90 balles par-ci, 120 balles par-ci, c'est pas ce qui va les faire vivre. Ils travaillent avec moi, je travaille pour un hedge fund qui s'appelle Golden Roads Capital, qui est un hedge fund spécialisé en crypto-monnaie, par exemple, en tant que risk manager. Et ben, les ingénieurs, sur mes commissions et ce que je gagne, ils ont un pourcentage. C'est un deal que j'ai avec eux. Et ça fait longtemps que je travaille. Enfin, il y en a un, ça fait depuis 2011. Et l'autre, celui avec qui j'ai mis la stratégie du stablecoin, enfin sur le BUSD en place, c'est très récent. Ça fait 2-3 mois qu'on bosse sur ça. Mais après, tu vois, j'ai que du contrôle à faire. Bon, là, c'est des trades qui viennent de se faire. Donc, tu vois, ça va être que des. Ils sont pas fermés. Si, celui-là est fermé. Donc, en fait, je vais juste avoir à regarder. Ok, il a été exécuté à combien? Donc, ici, je sais qu'il a été filé à tant de. Il est où le filet? Tac tac, voilà, Q&A statut, il a été filed, ok, il a été pris entièrement en compte, ok, bon, bah, il a été vendu à combien? Filed, ok, à 100%, il a été vendu, voilà, et on récupère ça, on récupère ces données, on n'en est pas encore là, vu que la société sera, on va la monter dans 2-3 mois à peu près, pour l'instant, on n'a pas cherché ergonomie et tout, tout est en dur au niveau de l'algo, etc., mais derrière, ça sera, le but, ce sera d'avoir une belle plateforme, etc. Marché stable, le marché des stables, Powerman. Le BUSDT, si tu connais pas. Après, si tu as loupé le début du stream, je te conseille, enfin, tu peux écouter ce qui va se dire là, mais je te conseillerais, quand je cutterai le stream, de regarder plus tard ou après la rediffusion. J'ai fait un gros point au niveau du BUSD, des marchés stables, marché des stables en général. Je regarde juste un truc. On avait dit qu'on parlerait de momentum. Momentum, ouais, on a utilisé un simple RSI. Ne reproduisez pas ce qu'on a vu là sur des marchés crypto traditionnels. Un simple RSI ne suffit pas. Avec un momentum, je vais reprendre un discours qu'on le Discord du trône que j'aime bien. Pour des néophytes, j'aime bien en plus. C'est que si vous avez le momentum, il vous faut encore une structure et une localisation. À quel niveau on achète et pour quelle raison ? Et la structure, c'est quelque chose au niveau du marché qui va faire en sorte que c'est un achat ou une vente intelligente à ce moment-là. Si vous voulez plus d'infos sur ces trois termes, je vous invite à rejoindre le Discord du trône. Que ce soit moi ou Carré Bleu, Tonton, Ponzi, quelqu'un vous répondra. Ou en tout cas, vous avez des ressources à voir pour mieux comprendre. Mais ce n'est pas ma stratégie à moi, ce n'est pas de cette façon que je traîne. Mais c'est une stratégie que je trouve très très intéressante pour des gens qui découvrent. Moi honnêtement, je vais pas dire non plus que je trade au feeling, clairement pas, mais je vais pas avoir la même façon de faire qu'un néophyte sur les marchés parce que je suis habitué à des choses, parce que déjà au niveau de mes lectures graphiques, d'un coup d'œil, je détecte des choses que les gens ont besoin de tracer par exemple, donc des fois je vais pas me faire chier avec tout ça. Je vais juste remettre le sound. Je t'ai pas demandé de te mettre en pause, hein. C'est pas en pause tout seul, ok, c'est nouveau. On va check. Ah oui, non, je voulais juste voir qu'est-ce que j'avais dit qu'on verrait sur le stream. Je m'étais fait une petite trame, mais honnêtement. Et je commence à fatiguer, je suis levé depuis super tôt avec ces marchés là. En train de détecter de la décorrélation. Ah oui, ah bah oui, j'oublie aussi le principal. J'oublie le principal. Heureusement, je me relis. Il faut savoir que le. On va check ça ensemble. Qui est un truc qui est super intéressant en plus avec les stables, une fois que vous maîtriserez bien, c'est que on va juste rebaisser ça. C'est qu'en fait vous allez comprendre. Oh là, calme-toi s'il te plaît. Faut virer cette mèche là. C'est que quand il y a des excès comme ça, regardez, on est le 26 octobre 2019, on est en daily. Le 26 octobre 2019, il y a eu une mèche super basse. Ok, très très basse. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir le poumon des marchés crypto. Donc on va aller voir le BTC USD.
26 octobre, on a dit, hein, on est d'accord. Ah! Bah. Il a été chercher les 10 400 $. Bah pourquoi le stable, il a descendu? Je vais vous expliquer en fait. C'est ce qu'on appelle l'effet des vases communicants en trading. Okay. L'effet des vases communicants, ça veut dire que l'argent se déplace. Et du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand le marché des cryptos baisse, bah, ils mettent leur argent en stable. Ils mettent de l'argent sur du BUSD, sur du Tether ou du Fiat, s'ils ont du Fiat de dispo sur la plateforme. Mais ils vont pas rester exposés en crypto. Donc là, on a vu que sur le BUSD, ça chutait. Pourquoi? Bah parce que tout le monde est en train de vendre son stable, en fait. Ok? Tout le monde est en train de vendre son stable parce que qu'est-ce qui se passe? Le BTC est en train de monter. Bah ça FOMO, en fait. Les gens, ils veulent rentrer sur le marché et ils rentrent à n'importe quel prix. Donc à ce moment-là, je peux vous garantir que sur les stables, bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a du market sell dans tous les sens et que les gens, ils veulent juste sortir le plus vite possible pour rentrer sur le BTC. Et du coup, il y a cette décorrélation quasi parfaite entre le stable et le BTC, ou même les alts. Mais moi, je parle que du BTC, ok. Je parle du poumon, le reste, c'est pas que je m'en contrefous, mais c'est un peu ça. Il y a cette décorrélation quasi parfaite qui fait qu'en plus, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce marché des stables, pour les raisons que je vous ai évoquées jusque maintenant, ben, quand vous serez en train de traiter les stables, vous allez voir certains niveaux. Putain, là, on vient de faire un excès, ça continue, ça prolonge. Ok, bon, j'ai vu quelque chose. Vous avez un temps de réaction qui a un avantage par rapport aux autres, en fait, c'est que vous serez le premier à voir qu'il va se passer quelque chose sur la crypto. Parce que avant de mettre de l'argent sur le BTC, le TH ou ce que vous voulez, les gens, ils doivent passer du stable à la crypto. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous, sur votre marché, ce que vous êtes en train de voir, le stable, vous voyez qu'il va se passer quelque chose. Vous détectez ce momentum qui fait que vous allez pouvoir, si vous voulez rentrer et suivre, parce que, attention, ne rentrez pas sur le marché non plus que pour ça, mais parce que vous étiez déjà dans un profil où vous aviez envie d'acheter du BTC, vous voyez que votre stable il est en train de s'en prendre plein la gueule et qu'il y a du market sell dans tous les sens, vous savez pertinemment qu'il va se passer quelque chose. Donc, jetez un œil sur le BTC, double graphique, on regarde ce qui se passe à côté, et il faut regarder ce qui est en train de... Il est en train de se passer quelque chose dans tous les cas. On va en reprendre un deuxième. Et puis ça, vous pouvez en prendre 10-15, hein. Sur 10-15, va y en avoir sûrement un ou deux d'invalides, mais c'est tout. Et regardez, et là, quand ça a monté, pour moi, le 8 novembre, je pense qu'il y a eu du sel sur le BTC, le 8 novembre. Oh, je devrais pas me faire chier et sortir deux graphiques, en vrai, là. Ça me gonfle de Switch. Attendez, on va faire ça. En plus, je me fais chier alors qu'on a un compte pro. Mais oui, on a un compte pro, on peut mettre deux graphes. Putain, Bolzy, sérieux. BUSD. Tether. Ah ouais, par contre, tout de suite, on va dézoomer ça. On a dit quoi le... Ah, puis c'est pas le même graphique du tout, là. Je peux l'appliquer. Ah, je m'en rappelle plus comment on fait. Putain, je l'ai fait dire avant-hier. Charger la configuration graphique. Non, c'était pas ça. C'est bon. Je me rappelle plus. Sur le carré, directement? Non. Si? Avec Richard, tu as la synchro. Putain, je l'ai fait il y a quelques jours. En bas du menu carré. Quoi, dessin? Ah, ok. Et donc, là, je suis bien cliqué ici. C'est ok, ça devrait synchro partout. Non, mais c'est en fait, c'est le graphe que je veux. Dessin. Il a pas l'air de le prendre en compte, par contre. Fait chier. Je vais dire vite les questions. J'ai une question, si admettons on passe un BTC à ta future société. Ah, attendez, la société elle est pas moi. Et en plus, elle est pas faite pour tout le monde, elle est vraiment faite pour les holders qui veulent holder de la crypto sur un avec une vision très très long terme. On passe un BTC à ta future société, si le BTC fait x3 en un an. Non, justement, c'est. Enfin. Pas dédicate, tu repasses la somme au bout d'un an en BTC ou en euros. Grior, ce qui se passe justement, c'est que, en fait, nous, quoi que fasse le marché, nous,
on augmente les bacs de notre client, ok? Mais on n'impacte pas directement la valeur de son BTC. Le client qui va nous confier 3 BTC, son contrat il dure un an, mais il peut le casser à tout moment. Sachez que le contrat, il est cassable à n'importe quel moment. Le contrat a une durée de un an, mais si la personne veut le casser au bout de deux mois, il peut le faire et sans frais. Le seul truc du contrat, c'est que tu perds tes intérêts en cours du mois qui est concerné. Ça veut dire que si tu casses un contrat le 1er mars, tu t'es rentré dans la société au mois de janvier, tu casses ton contrat le 1er mars, tu perds les intérêts qui a eu lieu le 1er mars, mais tu perds pas janvier, février, bien sûr. Mais nous, quelqu'un qui nous confie 3 BTC, en fait, si le marché a pris, a fait plus 30%, bah, ces 3 BTC, ils ont pris plus 30%. On ne fait pas de passage fiat. On prend les BTC que les clients nous confient. Enfin, le but de la société, hein, c'est de prendre les BTC que les clients nous confient. On utilise Nexo, qui est une filiale qui est backée par JP Morgan. Donc, c'est pas n'importe qui non plus sur le marché. On envoie ça chez Nexo, qui sert de custodian. Nexo nous font une ligne de crédit de la moitié, c'est-à-dire que si le client nous a prêté 3 BTC, il nous envoie une ligne de crédit de 1,5%, de 50% en fiat, tu vois. Donc si on envoie 3 BTC, voilà, le BTC, on va dire qu'il a 8 000 dollars. Nous, on envoie l'équivalent de 24 000 dollars en BTC, ça reste là-bas en BTC et ça ne bouge pas. Et eux, ils nous envoient la moitié de 24 000 dollars, donc 12 000 dollars. C'est aussi d'un point de vue stratégique pour éviter l'imposition pour nos clients. Si les clients restent du début à la fin en 100% crypto, ça veut dire qu'ils font un investissement en crypto, ils sont rémunérés sur le prêt en crypto, et quand ils sortent du contrat qu'ils récupèrent de la crypto, bah, il n'y a pas d'impôt sur leur plus-value en fait, parce qu'ils ne sont pas passés en fiat. Sur le carré, il faut changer... Alors attends, sur le carré, j'essaie de clients. Je ne sais même pas si je suis au bon angle en fait. Il faut charger un template, les deux vagues. Sur le carré avec les charts, tu as la synchro. Ah, dégage. Ah merde, c'était peut-être ça d'ailleurs. Non, je pense pas. Non. Ou alors je suis sur le mauvais. Ça me saoule. Je pensais que c'était heure, mais tu as... Attends, tu l'as coché et rien change, on dirait. Non, je ne prends... Mais je l'ai fait il y a quelques jours. Hein. Je m'étais pris la tête avec ça il y a quelques jours. Et là, bah, là, ça me fait chier parce que je voulais vous montrer ça, quoi. Le tout c'est, on s'en fout. Je vais quand même regarder s'il y a. Rien à voir. C'est chiant, hein? Non, vous trouvez pas? Surtout, je voulais passer à la suite et vous montrer le reste, quoi. Enfin, c'est chiant. C'est chiant parce que je suis un feignant, en fait, et je voulais éviter de retracer, mais c'est pas grave, je vais le faire, parce que sinon, on va juste perdre du temps, en fait. Faire ça comme ça. Là, on va repasser ici en BTC USD. Je préfère avoir le graphique propre ici. Ah, mais ça me switch sur les deux. Ça, c'est pas normal, par contre. On est d'accord. Ils sont liés, en fait. Moi, oh, j'ai fait de la merde. Je les ai liés, en fait. Voilà. Faut que je vire ça. C'est peut-être ça qui faisait la merde. PUSD. PTC. USD. Ah, ok, d'accord. Ok, bah écoutez, on va laisser le BTC ici, je préfère avoir le BSD là, ça m'arrange, c'est pas grave. On était où? 7 novembre? Ouais, 7 mèches, le 8 novembre, on est en daily sur le BTC, c'est pas grave, c'est pas ma config ici, mais bon, c'est pas grave. On cherche le 7 novembre. Hein. On va dézoomer un peu. C'est le 7 ou 8? C'est le 7. Voilà, on a un petit peu trop de dézoom là par contre. Ah, c'est le 8 novembre 2019. Allez. Là, bah, on pump sur le stam. Ah, les gens, il y a une chute là. Hein. On a cassé un point pivot en plus. Il y a une chute,
puis on était sur le, c'était le haut du Falling Wedge, et une chute de, on passe de 9200 à 8100 dollars, on perd 600 dollars, les gens repassent en stable. Là, pendant quelques jours, vous voyez là, la baisse, elle a continué. Regardez le stable, comment il réagit en fait. Vous voyez, il vient chercher le haut de notre moyenne qu'on a estimé. Papa, papa, il vient la taper. Et là, quand il y a une alchimie, bah regardez, c'est très bizarre. Hein. Mais là, le 23 novembre, au niveau du, le 22 au niveau du stable, on est ici sur cette mèche. Il se calme. Hop, bizarrement, on rentre dans un, ouais, dans un petit range latéral. 1, 2, 3. Donc là, le 25 novembre. 24, 25 novembre. 25 novembre. Squeeze, il y a un squeeze. On fait des plus hauts, même si la clôture. Mais là, le stab, il l'a interprété, ça. Il l'a vu, hein. Il y a une mèche qui est venue chercher les 1,0050. À chaque fois que vous allez avoir des excès comme ça, des gros gros excès, hein, comme ici, là. Allez, 11 février, on y retourne. Bon, ça, c'est très récent, donc je sais de quoi il s'agit. 11 février, 11 février, 11 février, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pareil, on est passé de 9007 au 10002. Le stable, au niveau de l'interprétation. Merde, il est revenu en arrière, ce con. C'est très important de. Enfin, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Enfin, moi, en fait, il y avait trois thèmes dans un thème. Il y avait comment trader gratuitement, enfin gratuitement, je peux pas dire ce mot parce que si l'AMF passe sur mon stream, ils vont me taper, ils vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, par rapport à des cryptos, vous pouvez vous permettre d'aller sur ce marché et apprendre, vous voyez ce que je veux dire, au niveau des risques. Mais en plus, et je vous ai montré qu'on peut faire même plus de profit que les cryptos. Alors c'est sûr, vous n'allez pas prendre du 50% annuel. Mais est-ce que c'est dans un but de recherche de capitalisation, ça veut dire d'augmenter votre capitalisation boursière? Et pas dans une but de spéculation et une recherche de gros pro, d'énormes profits. Là, je parle de quelqu'un qui veut capitaliser. C'est-à-dire quelqu'un qui a, je vous donne un exemple, quelqu'un qui a que 1000 euros à mettre sur ce marché et qui a que ça. Et bah, typiquement, je dirais va sur ça. Parce que tu as très peu de risques. Parce que ça va prendre du temps, mais tu vas réussir à te capitaliser. Vous faites de la calcul. Si vous arrivez sur un taux bas à 10-15% annuel, oh! Bon, c'est sûr, il faut 10 ans, il faut 10 ans pour faire 2000 balles, 2000 balles. Mais c'est ça les marchés boursiers, hein. La capitalisation, vous ne l'obtiendrez pas comme ça, faudra apprendre à aller la chercher. Décoche la synchro. Tu penses? Bon, là-dedans. Ah, je suis perdu, je regarderai ça hors stream, honnêtement, ça me saoule. Bonjour, tu dois être refait en ce moment. Oui et non, parce qu'en ce moment je suis en train de bosser beaucoup sur, bah, sur la mise en place d'un algo qui est lié un peu à ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Et du coup, je peux pas me permettre de trader à 100% les marchés en fait. Je suis beaucoup dans cette, enfin, je suis beaucoup avec mes ingénieurs en train de faire du backtest, etc. Donc je peux pas profiter de tout. Mais vous avez compris la décorrélation avec le BTC? Elle est super importante. Regardez, le 16 février, le 16 février. Pas besoin de trucs pour comprendre qu'il s'est passé un truc. Putain, elle est ouf celle-là. Le 16 février. Il a dû se passer quelque chose de bizarre. Parce que je vois pas. Ouais. Ouais, aussi ce genre de bougie aussi. Ce qu'on appelle une sorte de doji un peu. C'est qu'il a failli se passer, il a failli se passer quelque chose, les gens ont cru, et regardez, c'est ce qui se passe. Hein. Les gens ont cru à. On va corriger. Puis on était sur des niveaux. Bon, il y a un pivot là, c'est le R1. C'est un pivot par rapport à qui est recalculé par rapport à la volatilité tous les jours. Et puis, comme par hasard, on tombait sur le haut de cette sorte de triangle ascendant. Les gens ont eu peur qu'on aille chercher le bas du rectangle. On était au 10005. Bah d'ailleurs, on y a été après. Hein. On y a été après, mais il y a une grosse bougie. Là, il y a eu hésitation. On était sur un support psychologique, là, des 10K. Le marché l'amène à 9K5. Ils ont flippé. Enfin, même avant les 9K5. Hein. Je vous garantis que quand on a cassé les 10K, parce que c'est ce qui s'est passé, la veille, on a cassé. Enfin, on se retrouve à clôturer en dessous des 10K. Ici, les gens ont paniqué. Donc paniqué, le marché il a dit non, pas tout de suite. Le lendemain, rebelote. D'ailleurs, je pense qu'on a encore
moins, mais on doit avoir une belle bougie le lendemain. Ouais, ah, elle est toujours dans l'excès, mais elle est pas folle. Et là, dernièrement, ça s'est un peu calmé. Ça, le 24 février, 24, le 24, le 24 février. 24 février. Ouais, mais ça avait été anticipé la veille. L'interprétation se fait. Et là, dernièrement, on se drop le 6 mars. Bah, le 6 mars, c'est quand il y a le déclenchement. Okay. Et le 7, bah, le 7, c'est hier. Par contre, le hier, c'est là où je me dis qu'il y a des gens qui sont en position actuellement sur le BTC et que je pense que c'est pas un quelqu'un de seul. Enfin, que je pense que justement, si, que c'est quelqu'un d'un peu seul ou isolé ou pas beaucoup de personnes qui ont déclenché ce move. C'est que vous voyez là au niveau des liquidités là, normalement quand il y a vraiment panique, les liquidités se déplacent. Et là, 4, 5, 6, 7 mars, pourtant il y a un beau drop, hein. Il y a un beau drop, hein. Bah, les liquidités en tout cas. Alors soit les gens se sont déjà positionnés, ils sont en train de se faire piéger, et ça serait le but d'un short squeeze. Ou soit les gens s'en foutent et se disent que. Là, le prix du marché est à 7,8. Ils disent qu'on est dans un prix achetable et que si on va plus bas, même au 7,3, c'est pas grave si j'ai acheté à 7,8 parce que de toute façon on ira plus haut. Je pense que c'est un peu l'état d'esprit des gens actuellement au niveau des marchés. Salut à tous ceux qui sont arrivés dans le chat. Je parle beaucoup parce que si je regarde le chat trop souvent, je vais pas avancer. Je vais pas avancer et c'est quand même, y a quand même pas mal de choses à expliquer pour aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite, je vais. Vous savez ce que je vais faire? Je vais me rouler une petite clope. Hein, parce que Bolgi, il avait arrêté de fumer pendant 3 mois. Mais comme il a vu qu'il a pris. J'ai dû prendre 8, 9, 10 kilos facile. Honnêtement, j'étais m'acheter des clopes. Parce que j'ai pas le temps de faire du sport en ce moment avec tous les projets que j'ai en tête et à mettre en place. Et non, arrêter de fumer sans faire du sport. Honnêtement, j'avais arrêté complètement. Hein, mais arrêter de fumer sans faire de sport, c'est juste pas possible en fait. Si vous avez des questions. Que ça soit lié à ce qu'on a vu jusque maintenant ou même d'autres choses, bah profitez-en pendant que je roule une petite clope, n'hésitez pas. Ça consiste à quoi votre algorithme? Alors Raja, je pense que fume pour maigrir. Non, non, non. Fumer pour plus grossir, c'est différent. Fumer pour plus grossir. Raja, je pense que tu as loupé le début du live. Il faudra que tu regardes le début du live et tu comprendras de quoi on parle. Si t'es arrivé pendant le live. Fumer pour maigrir. Non, non, fumer pour arrêter de grossir, putain. Bordel. J'ai pris. Ah ouais, je pense que j'ai pris, honnêtement, j'ai dû prendre mes 10. Mais ouais. J'ai dû prendre mes 10 kilos en 3 mois, là. Toute la période où j'ai arrêté de fumer. Ouais, je me suis. Bah, la bouffe, quoi. Hein, t'arrêtes de fumer, la bouffe. Surtout si tu fais pas de sport, si tu t'aères pas l'esprit, en fait. Tu compenses avec de la merde. Mais c'est pas grave. J'ai vu que j'avais arrêté. J'ai vu que c'était assez. Plus facile que je le pensais d'arrêter. Maintenant, il faudra juste que je le fasse au moment propice, au moment où j'aurai le temps de me concentrer sur du sport ou pas. Yo, tu gardes un œil sur les indices en ce moment? Pas plus que ça, Bobix, parce que bah, par mon taf, ça fait que je suis quand même énormément concentré sur les cryptos. Après, je m'intéresse quand même aux indices parce que je trouve qu'il y a des. Je pense qu'il y a trop. Enfin, pour moi, j'ai vite compris. Enfin, j'ai. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais je pense que la baisse actuelle, c'est juste que on est sur des. Il y a des histoires de cycles dans les marchés financiers. Et ce qui se passe, c'est que ça fait des années que ça monte et que ça monte au niveau des indices. Et je pense que le coronavirus, en fait, a juste été l'excuse aux institutionnels, les power banks, etc., qui ont beaucoup d'argent, d'encaisser leurs profits des dernières années en profitant. C'est ce que je pense, je dis pas que mes propos sont à 200%, hein, la vérité. Mais en profitant du coronavirus et tout ça pour gerber, hein, quand tu market sell sur la gueule des petits investisseurs, bah, tu crées un effet de panique et les petits portefeuilles, les dindons comme je les appelle, bah, les dindons en fait, bah, ils paniquent quoi. Ils voient des grosses bougies, ils comprennent pas que c'est de la prise de profit, ils disent oh putain, ça part en couille. Et ils se mettent tous à vendre, et puis un appelle l'autre, et ça s'arrête pas. Et je pense que les moins 25, moins 30% qu'on a pris dans la tête, honnêtement, c'est juste de la panique, pour l'instant.
Je dis pas que ça peut pas se transformer en crise prononcée et qui va durer longtemps, mais pour l'instant, pour moi, ce que j'observe, c'est que c'est de la prise de profit et qu'on a. C'est intéressant pour les institutionnels de créer un effet de panique, de vendre aux alentours des 25 000 dollars pour prendre le cas du SPX et de pouvoir le racheter dans les niveaux le SPX. Je vais vous le montrer d'ailleurs, Dungeons. On va aller le check. Tu vois, c'est vachement. Ah ouais, d'accord, on était pas au 25 000. On se rapprochait des 30 000. Après, en même temps, honnêtement, c'était évident. Enfin, là, c'est pareil, je fais le mec. Le mec, c'était trop facile à voir et tout. C'est pas vrai. Parce que je l'ai pas fait. Si j'en avais été convaincu, je l'aurais fait. Mais on s'approchait d'un seuil historique. Les 30 000, c'est un putain de seuil psychologique. Honnêtement, ce qui se passe actuellement, pour moi, c'est juste. On se fout de la gueule on se fout de la gueule du petit porteur, de monsieur, tu sais, de monsieur Durand, là, cachette. Là, on a vendu à la gueule de monsieur Durand. Et ce qui va se passer, c'est qu'à 24. Mais je pense que là, on risque de trouver des structures d'achat, tranquillement, peut-être pas dans ces niveaux, peut-être encore un petit peu plus bas. On va trouver des niveaux d'achat. Donc, le marché va remonter tranquillement, parce que, enfin, tranquillement, il y a quand même une belle correction à reprendre. Donc, il devrait remonter rapidement. Je vais pas tracer le Fibo, mais il doit être à peu près à 26, 26K, 26K5 pour le 50% de retracement. Ouais, à vue d'œil. On va peut-être revenir assez rapidement dans ces niveaux, si ça se stabilise. Là, c'est que les institutionnels seront rentrés. Là, monsieur Durand, t'inquiète, hein, il a vendu ici, il va jamais racheter ici. Hein. Il va attendre que le marché revienne au-dessus de là où il a vendu. Et quand il sera à 32 000, 30, 31 000, 32 000, qui verra qu'on a fait un plus haut, bah monsieur Durand, il va racheter son truc qu'il a vendu à 29 000. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a 95% de gens qui gagnent en trading, il y en a 5% qui perdent de l'argent. Hein. Il y a des raisons. J'ai quand même peur d'un bull trap. Attention, comme je vous dis, là, mon analyse se fait sur le fait que le déclenchement du mouvement s'est fait sur de la prise de profit. Après, est-ce qu'il n'y a pas des choses moroses qui vont s'installer par rapport aux annonces? Après, quand tu vois l'artillerie lourde qu'a sorti Donald Trump les 2 derniers jours, enfin, allez, même la dernière semaine, pourquoi les marchés continueraient de plonger? Pourquoi les institutionnels, en fait, se puniraient et laisseraient le marché plonger beaucoup plus? Tant qu'ils le laissent plonger, dites-vous un truc, et qu'il n'y a pas de vrais faits économiques qui font que ça plonge, pour l'instant, la Chine est impactée, elle l'a dit elle-même, elle pense qu'elle ne sera pas tant impactée que ça. Les États-Unis, c'est impacté par rapport à l'export, mais bon, c'est pas non plus impacté de fou. Il y a beaucoup de choses qui sont grossies sur ce qui se passe actuellement. Mais les institutionnels, pour l'instant, tout ce qu'ils veulent, enfin pour moi, ma vision, c'est que pour l'instant, ils veulent acheter moins cher. Point. Est-ce qu'ils sont capables de le laisser tomber à 20K? Je grossis le truc. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, quand tu vois que on ajoute 150 milliards de dollars sur les marchés tous les jours actuellement, c'est ce qu'a annoncé Trump. Qu'on a baissé les taux directeurs au niveau de la Fed, que la Banque centrale devrait suivre. En plus, Trump a eu un coup. Je dis pas que j'aime la personne et tout, j'en ai complètement rien à foutre de la politique. En tout cas, j'ai eu quelque chose à faire de la politique il y a une époque. Aujourd'hui, je m'en contrefous. Mais quand tu vois le move qu'a fait Trump, c'était le plus beau historiquement au niveau économiquement pour un président. C'était très beau parce qu'il force la main aux autres. En fait, il a fait quoi? Il bouge les taux directeurs, il injecte 150 milliards sur les marchés par jour. Vous croyez que la BCE va être obligée de faire quoi là? Parce que là, du coup, Trump, il rassure le marché américain, même si c'est pas encore validé. En tout cas, vous voyez, il y a un sursaut en cours. On verra ce que ça donne. Mais il oblige les Européens à suivre derrière. Et si les Européens le font pas, bah c'est dans son intérêt, parce que du coup, le dollar va surperformer l'euro. Et je parle pas que d'un point de vue fiduciaire, mais aussi au niveau de la macroéconomie globale. Il oblige les Européens à bouger en fait. Ça, c'est hors contexte de trading. Mais bon, ça fait partie. Je n'aime pas mélanger le fondamental avec le trading, mais ça fait partie du peu de fondamental que tu es obligé de considérer en fait. Quand tu vois la CC Composite, pas tant que ça bizarrement. Quand tu vois le CC Composite. Il y a aussi un truc que j'ai vu sur le Discord du trône passé. Carré bleu qui avait mis ça. Est-ce que je peux le retrouver pour vous montrer ça? J'ai trouvé ça intéressant et j'en ai même profité pour aller check le graphique un peu plus loin et ouvrir un peu les yeux dessus. Ah ouais, je l'ai retrouvé, je vais vous montrer ça.
J'ai trouvé ça super intéressant en fait. Ouais, SPX, la différence entre. Vous avez les deux. Là, c'est la bulle internet, ok, dotcom. La crise 2008, coronavirus actuellement. Au niveau de l'amplitude, on est encore loin de. C'est très juste si on étudie un peu ça. C'est qu'on est encore très très loin de ce qui s'est passé pour la bulle internet ou pour la crise financière de 2008. Pour moi, là, si vous... il y a les deux en plus qui sont l'un à côté de l'autre. Si vous regardez le SPX en mode normal, on peut être sur une simple correction. Regardez la hausse, s'il vous plaît, quoi. On passe de 600 à 3004. Et puis il y en a déjà eu, hein. Tac, tac, tac. Celle-là est aussi violente que celle qu'il y a eu 2018, 2018 à 2019. Je m'en rappelle plus. Bon. À voir, à voir. Dernier petit point, après on va pas tarder à cut car sinon après la vidéo pour YouTube elle va être super longue. Dernier petit point pour vous faire un petit mon petit POV général sur tout ce qu'on a vu depuis le début. Et un truc qui est super intéressant aussi, c'est qu'au niveau de votre capital, après ça va être à vous de prendre des décisions, hein. C'est pas à moi de le faire à votre place, ça va être à vous de prendre des décisions dans quoi je mets plus de capitaux, etc. Honnêtement, si vous partez, ça c'est, je vais pas dire que c'est une stratégie clé en main, mais c'est quelque chose qui s'y prête fortement, qui va vous permettre surtout d'acquérir de l'expérience sur les marchés sans prendre énormément de risques. C'est surtout ça le plus important. Apprendre à utiliser certaines choses que vous n'avez pas l'habitude de faire habituellement. Je parle pour ceux qui n'ont jamais tradé en margin. Là, sur cet aspect-là, vous pouvez y aller en margin pour apprendre comment ça fonctionne, comment on rentre, comment on sort en limite, etc. Il vaut mieux le faire sur ce marché que le faire sur du BTC, de l'ETH ou encore pire sur des shitcoins où ça peut bouger de 10, 15, 20% dans la journée. Il y a ces aspects-là qui sont importants. Mais il y a aussi l'aspect que, autant je vous dirais de ne jamais utiliser de margin, ok, sur de la crypto. Il n'y a pas besoin d'utiliser de la margin en crypto quand ça bouge de 20% par jour. Maintenant, vous avez la moyenne ici, grosso merdo, 0,50% par jour. Là, vous pouvez y aller en margin, fois 3. Donc vous augmentez les volumes que vous avez. Et si vous voulez continuer à trader ou à hold même de la crypto, etc. Bon, avec cette stratégie qui est assez. Vous allez faire du volume. Parce que vous vous mettez en hurler. Enfin en daily, vous prenez les excès, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. En hurler, vous allez mettre du volume tous les jours, 2-3 positions par jour peut-être. Des fois il n'y en aura qu'une, des fois il n'y en aura pas même. Là aussi, vous injectez du volume. Vos frais de trading vont baisser en fait. Et le fait de baisser vos frais de trading, c'est améliorer vos gains en trading. Vous payez moins de frais, donc en fait vos performances sont décuplées. C'est aussi simple que ça. Et il y a très, très, enfin, les gens ne prennent pas assez en considération l'importance des frais de trading en fait. C'est ce qui fait qu'une stratégie passe de moyenne à bonne ou de nulle à moyenne. Et c'est très important en fait. C'est super important. Moins vous avez de frais, mieux vous portez. D'ailleurs, je déteste les trucs d'affiliation et tout. Mais je suis en train de me faire le compte là que je suis en train d'utiliser pour mettre en place les algos pour la boîte, là, les tests qu'on est en train de faire. Quand je vais avoir fini, je vais garder les 10 000 balles que j'ai mis dessus pour acheter du BNB et vous permettre à ceux qui sont intéressés, qui ne l'ont pas encore fait ou qui n'ont pas répondu au KYC de Binance, de vous faire bénéficier de base déjà de moins 20% des fees. Okay? Je le fais que pour une seule raison, c'est que c'est pas que le parrain qui est gagnant. En général, les affiliations, c'est ça, le parrain il est gagnant, le parrain il est gagnant, et celui qui rentre derrière, bah, il se met un doigt dans le cul. Là, le truc, c'est que en fait, il n'y a que Binance qui perd. Je vous le dis honnêtement et cash, hein, en fait, il y aurait 20% de frais de trading en moins pour l'affilié. Donc, s'il y en a qui n'ont pas encore compte Binance et qui comptaient aller sur Binance, ne le faites pas parce que je vous dis que je vais mettre ça à disposition. Faites-le parce que vous vouliez déjà aller sur Binance, si ça vous intéressait. Et il y a aussi 20% pour ma pomme. Donc voilà, en gros c'est Binance qui garde 60%, il y a 40% pour nous. Donc je pense que je vais le faire. Ça ne me dérange pas d'immobiliser 10 000 balles pour que des gens qui s'intéressent à rentrer sur ce marché payent moins de fees en fait. Donc c'est pas de l'argent dont j'ai besoin. Quoi d'autre, quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour au niveau de ce que je voulais voir aujourd'hui. Bon, on l'avait vu, c'était très ciblé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'attendaient à ce qu'on allait voir des momentum sur du BTC, etc.
Je reprends tout juste les streams là après une bonne pause, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont là aujourd'hui, c'est des néophytes ou qui compteront la vidéo en rediff sur YouTube, qui sont néophytes. Donc pour moi c'était important déjà, entre guillemets, de montrer un prémisse en montrant un truc qui est pas mal encadré et qui est assez simple à comprendre. Ok. Je fais juste vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui. Je vais regarder vite fait si vous avez des questions dans le chat avant de décoller. Et après j'irai. Et puis de toute façon, comme je vous dis, on se capte sur Twitter. Je vous fais un sondage avec trois sujets. Vous choisissez le sujet à traiter. Puis peut-être la fin de cette semaine. Fin de cette semaine, je relance un stream jeudi ou vendredi. Et on se fait ça tranquillement. Je regarde vite s'il y a des questions. Ce serait cool de voir les options sur Dribbble par exemple. On pourra voir ça. On va y aller tranquille. Il y a quand même pas mal de gens qui apprennent, qui ne me connaissent pas. C'est important pour moi aussi de montrer aux gens ma psychologie de trading, comment je fonctionne, et du fait que je suis pas là pour vendre du rêve et voilà quoi. Je suis sur Coinbase Pro, c'est possible que j'ouvre un compte sur Binance. Quand comptes-tu mettre en place ton offre, Tom? Je pense avoir une semaine de backtest à valider. Et après, j'ai pas besoin d'immobiliser tous les capitaux. Je crois que pour le nombre de BNB qu'il me faut, pour pouvoir vous faire profiter de ça, il me faut 500 BNB. Enfin, quelques. Je sais plus combien il me faut de BNB. Attends, je vais vérifier. Mais dès que j'ai ça en place, je vous préviens sur Twitter, je mettrai le lien direct. Tac. Je vais vérifier. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, genre c'est dans pas longtemps et qu'en fait ça soit dans super longtemps. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Tac. Pour le 20%, 500 BNB. 500 BNB à 17$, ça fait 5000, 6000, 6000, 7000. Ouais, je pense qu'à la fin de la semaine prochaine, ou début de semaine prochaine, je le mettrai en place et je garderai les BNB. Richie, quels sont tes targets? Tes targets sur quoi, Richie? Je suis pas en position là actuellement, BTC, tant que je te dis pas de conneries, je suis pas en position. Et sur les autres cryptos en général, je suis pas en position actuellement. J'estime qu'on va rentrer dans un petit range entre 7700 et 8200. J'ai pas trop envie de trader cette zone pour l'instant. J'attends qu'il y ait des structures, des choses qui se forment. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est cool, c'est que vous avez compris la majorité des choses qu'on a dit aujourd'hui. Je vous dis, on est mardi. Demain, je mets un poll Twitter. Trois sujets. Vous choisissez le sujet et puis on se donne rendez-vous soit jeudi, soit vendredi. Ou au pire des cas, samedi. Pire des cas. De toute façon, il y aura les rediffs et maintenant les rediffs sont activés. Ciao, ciao tout le monde, bonne soirée. Allez, à plus tard les gars. Bonne soirée à tout le monde. Les gars et les gonzesses, je suis désolé, ça se trouve, il y en a. Des bisous, à bientôt.